Bonjour tout le monde, ici Orphéa 2012. Je pense que aujourd'hui c'est bien mon dernier épisode sur cette map plane. Se prépare quelque chose en bas qui est assez effrayant. J'ai même peur de vous le montrer tellement que j'ai même pas envie de le voir, mais je vais le faire quand même. Je pense que cette aventure est désormais terminée. Je sais pas comment que ça va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer, mais voilà, ça. Ils sont venus, ils sont tous là, comme dirait l'autre. J'essaie d'en rire, mais c'est horrible, horrible. Ils sont tous là, les PNJ, et je me demande ce qu'ils viennent chercher. Les chats ne me lâchent plus depuis qu'ils sont arrivés. Alors qu'avant, ils se promenaient gentiment, tranquillement. Là, les chats ne me lâchent plus. Ils sont tous avec moi. Ils semblent me protéger. Regardez, là, ils me suivent. Et ils sont des milliers, je sais pas, des millions, j'en sais rien. Mais ils sont très nombreux. Et voilà, mais je crois que maintenant j'ai compris. Tout à l'heure il y en avait dans les arbres aussi. Bah oui, il y en a là dans les arbres. C'est dommage, j'ai pas de jumelles. J'ai pas fabriqué des jumelles et comme je suis arrivée avec rien, voilà. Mais ils sont dans les arbres. Il y a des chats qui attaquent les bébés et les PNJ, mais ils se font tuer. C'est J'ai cru qu'il y avait quelque chose à côté de moi. C'est vraiment très très effrayant. Et je me demande combien de temps ils vont mettre pour venir et m'attaquer. J'entends des bruits d'araignées en plus. J'ai même pas envie de descendre plus bas pour les regarder. Regardez, ils sont dans les arbres, ils sont descendus dans la grotte. Voilà quoi, là c'est... C'est vrai. Oh la vache, ils sont juste en bas. Faut que je détruise ça. Ça va peut-être les retarder un petit peu. Je vais refermer. Voilà. Puis on va attendre. Et on va voir ce qui se passe. Moi, de toute façon, ça va pas beaucoup mieux. J'ai beau dormir, me nourrir comme je peux. Je suis extrêmement fatiguée. Je suis vraiment pas bien. Je perds ma voix sans arrêt. Je pense que je vais aller me coucher et je vais fermer ça, tiens. Puis tiens, moi je peux rien faire. Si. Entre nous, je pense que le poison qu'ils ont mis dans la nourriture, dans les champs, dans l'eau, est en train de faire son œuvre et que je suis en train de vivre mes dernières heures. Ils sont juste venus peut-être parce qu'une personne ne m'attaque là depuis hier qu'ils sont là. Personne n'a essayé de monter, personne n'a essayé de lancer des flèches, de faire une colonne pour monter. Il n'y a personne qui est venu. Donc je pense juste qu'ils attendent que je m'éteigne tranquillement. Et maintenant l'heure est venue, je pense, parce que je sens quelque chose qui n'est pas comme d'habitude et je suppose que la prochaine fois que je vais me mettre dans mon lit, ce sera la dernière. Donc je vais pas m'apesantir pendant 15 ans là-dessus. C'est mon aventure sur Minecraft, sur une map plane, sur laquelle Arduino m'a fait venir, qui se termine ainsi. Je pense que j'avais une mission à accomplir. Mais soit j'ai pas été dans le bon endroit, soit j'ai pas fait ce qu'il fallait, mais en attendant, ma mission a échoué et j'ai pas vraiment su trouver le pourquoi du comment. Peut-être que dès le début, il aurait fallu que je libère les zombies afin qu'ils dégomment les PNJ, quoi, et puis voilà, enfin je ne sais pas. Franchement, je sais pas du tout, et puis là, l'heure n'est plus à la réflexion. Je vais vous laisser maintenant, et puis je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou une bonne journée, ça va dépendre.
Je vous embrasse bien fort et je vous remercie d'avoir suivi mes aventures. À plus tout le monde. Ou à plus. À plus. C'est une vieille habitude que j'ai prise de dire à plus. Mais c'est plutôt adieu et à ailleurs. Allez, au revoir.